Est-ce que le trio Mbappé, Ousmane Dembélé et Colomoni peut faire remporter la Ligue des Champions au PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du trio, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, nous, on parle de foot ici. Nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si on est parti. Alors, est-ce que tu penses que le trio Mbappé, Dembélé et Colomoni peuvent remporter la Ligue des Champions? Moi, je trouve que c'est un trio. Pour moi, c'est un trio que je trouve léger, les amis. Je trouve ce trio léger. Pour moi, ce trio est inférieur au trio Mbappé, Neymar et Messi. Certes, on va me dire que Neymar et Messi ne défendaient pas, mais je préfère avoir Neymar et Messi dans mon équipe que d'avoir Dembélé, qui est maladroit devant le but, et Colomoni, qui est parfois, qui sort un match sur trois. Colomoni, même en équipe de France, son seul match de référence, c'est la finale. Donc, il est inconstant. Je préfère des mecs qui ont une grande régularité comme Neymar et Messi que d'avoir les Dembélé et Colomoni. Donc, pour moi, l'effectif du PSG a régressé, contrairement à ce que certaines personnes veulent nous faire croire. Je trouve que cet effectif, pour moi, c'est trop limite pour pouvoir remporter la LDC. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.